Le scénario, donc à la base, nous on voulait faire un film animalier parce qu'on aime beaucoup les animaux et on est souvent amené dans l'école à faire des films muets. Donc pour nous, c'était la bonne solution pour garder des personnages qui ne parlent pas et qui restent expressifs, puisque les animaux, voilà, par leur comportement, peuvent rappeler le comportement humain. Mais on voulait pas faire un film trop naïf, on voulait viser un public un peu plus mature. Donc on a eu l'idée de mélanger ça avec de l'humour noir. Alors le prix du meilleur scénario, franchement, ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est l'histoire, on a apporté beaucoup de soins, ça a été beaucoup de travail pour faire vraiment une version qui nous satisfaisait. J'ai fait un premier film justement avec Génération Court et L'Homme Jat, qui était Ali. Donc c'était un film un peu plus réaliste et sérieux. Et justement, le deuxième film, je voulais un peu plus que ça soit un peu plus cool, plus punchy. Et du coup, bah, j'ai voulu écrire justement un film de danse. Moi, j'ai la meilleure anecdote, ouais. C'est la scène avec Irina. En fait, il y avait tellement d'émotions. C'est Irina, c'est la maman. Sur le plateau, il y avait une émotion. Franchement, on a failli pleurer. Pas un seul bruit, rien du tout. On était tous vraiment concentrés. Parce que ce qu'il faut dire, enfin, faut le préciser. J'ai rencontré l'actrice que peut-être 5-10 minutes avant la scène. Je devais la rencontrer depuis à chaque fois qu'on mettait. Et d'une temps que cette scène, me dit, François me dit, vous savez quoi, asseyez-vous, on va mettre à huis clos et discuter. Mais chacun parle de son vécu. J'ai entrepris une formation en alternance à l'école ECA. Et quand mon prof d'écriture m'a demandé quel sujet tu voulais aborder pour ton court-métrage, automatiquement, je sais pas, c'est venu comme ça, c'était Ziad et Bouna, quoi. Je voulais traiter cette affaire-là d'un point de vue fictionnel. Je me suis dit que si j'arrivais pas à toucher les gens avec le film et avec le thème que j'abordais, j'avais pas réussi mon film. Et de recevoir le prix du public, c'est voilà quoi, c'est. Pour moi, c'est ma petite consécration à moi. Quoi. Alors le prix du jury est très important parce que c'est un prix venant de professionnels, de gens qui connaissent l'image, qui connaissent l'écriture scénaristique. Et là où c'est important, c'est de confronter justement leurs avis et voir comment ils ont jugé ton travail. Et apparemment ça a plu, donc et c'est ces gens-là à un moment qu'il va falloir démarcher, soit des futurs producteurs ou même des réalisateurs avec qui on peut être en connexion ou des scénaristes. Donc c'est très important d'avoir cette validation venant de nos pairs. Si on arrive à s'armer de soldats à peu près comme on a ici, des vraies personnes qui sont vraiment passionnées, on peut aller très loin sans vraiment attendre qu'on nous ouvre les portes. Donc voilà. Ce que je veux dire.